là, bah maintenant, me voilà remonté sur la plaine de Caen, quasiment à une quinzaine de kilomètres de Caen, pour bah, cette nouvelle ligne là, qui s'est mise en place à l'arrière des premiers passages. De loin, les sommets avaient l'air d'être assez sympas. Maintenant, arrive en dessous. Pas mal non plus. Encore une fois, hein, il y a des esthétismes aujourd'hui là qui sont vraiment sympas. Moyen de faire de chouettes photos. Super contraste. Donc là, ouais, effectivement, ouais, c'est sûr. C'est même un peu plus proche que ça. C'est quand un petit peu avant quand même. Là, bah, il s'agit tout simplement du spot où je suis habituellement. Hein, ceux qui ont l'habitude de me suivre, hein, pour le reconnaître. Et le parc éolien de Fierville-Bray, qui offre l'une, si ce n'est la plus belle vue du Calvados. Parce que là, on a vraiment un spot à 360. Donc bon, bah peut-être un petit peu de regret quand même de pas avoir été où je l'avais décidé au départ. Puisque bah, là voilà, il est 15h et c'était vers 6h là que devait y avoir le plus gros entre guillemets de l'intensité là vers Sud-Orne, Mayenne, Sarthe là. Et vu d'ici, bah, ça pousse de partout, ça pousse vraiment, vraiment très très fort. Mais bon, peut pas être partout à la fois. J'avais peur d'être à la bourre. Je pense que en fin de compte, j'aurais peut-être eu le temps d'arriver. Le problème, c'est que depuis qu'ils ont soi-disant changé et passé la 4G, c'est qu'ici on capte de moins en moins alors qu'on est vraiment sur des hauteurs. Et c'était un endroit qui était où on captait très bien la 3G à l'époque, et là même la 3G devient limite. Mais bon, d'après eux, c'est normal. Donc, situation embêtante de 6 mois, c'est normal pour eux. Dommage. J'espère qu'il n'y a pas trop de coupures quand même.
que bon, par moment, on est en pleine diffusion, tout vert, etc.